Ah ben aujourd'hui, un autre petit vidéo. Vous allez sûrement l'apprécier. C'est sur le champignon homard. Dermatose des russules, qu'on appelle. C'est une russule qui a été dermatosée. La russule, elle est blanche comme elle. Et puis, on creuse un petit peu. Alors, on peut voir qu'il était blanc. Il est devenu orangé parce qu'il a été dermatosé, on dit. Il devient une dermatose. Alors, on enlève le plus de terre possible. Quand la chair est ferme, dure, on le garde. Si la chair est trop molle ou grisâtre, vous voyez celui-là, il est tout blanc, il est super beau. Alors, on le garde. Il y en a un autre. On est au tout début. Ils vont venir beaucoup plus gros que ça. Ils n'ont jamais tout à fait la même forme. Hein? Ils sont... La seule chose, le seul indice, c'est la couleur orangée. S'il est rouge, il est trop vieux. Si vous en prenez, parce qu'on l'appelle le champignon homard, si vous avez des champignons qui goûtent le homard, c'est parce qu'il est peut-être un petit peu passé date. Lui, je vais le laisser là. Lui, je vais le laisser. Ça, c'est un petit morceau de mon nom. En réalité, il y en avait deux. Après même. Si je vais en arrière de moi, de ce côté-là, j'en ai un autre, mais lui, oui. Lui il est beau, lui, il est mou. Alors lui, je vais le laisser là. Alors juste dans un petit carré, regardez, il y en a un là, un là, un là, un là. Alors, je vais ramasser ceux qui sont beaux. Les autres, je vais les laisser. On est au tout début. Alors, c'est vraiment le début. Lui, il est trop beau à mon goût. Alors, un champignon qui est super facile à identifier. Alors, dermatose des russules ou champignon homard. Alors, une bonne cueillette tout le monde, puis c'est un champignon qui est quand même bon, il est neutre, c'est un champignon qui n'a pas énormément de goût, mais il est très beau, très bon, facile à identifier. Alors bonne cueillette tout le monde.